comment qu'elles vont ce matin? Oh, taisez-vous, Mme Trippé, on est toutes renversées. Oh, oui, vous avez appris pour la boulangère. Quelle histoire! Un petit rhume de rien du tout et tout le quartier l'a cru morte. Ben ça, c'était à prévoir, hein. Et du reste, j'avais prévu. Ah bon? Tenez, l'autre jour, elle m'a pris 2 escalopes de veau, la boulangère. Vous vous rendez compte? Eh ben... 10 escalopes de veau, prises par 2. Mauvais signe, problème de santé. Vous avez vu ça dans les escalopes? Vous lisez dans la viande? Mais alors vous êtes comme un genre de cartomancien? Boucherie mancienne, de mère en fille pour vous servir. Non! Oh, c'est intéressant ça! Racontez voir! Ça se raconte pas. Je regarde la viande, je regarde le client. Je regarde la viande, je regarde le client. Et hop! J'ai comme une vision. Oh! Pas possible! Et dites, ça vous le fait aussi avec la charcuterie? La charcuterie, c'est plus compliqué. C'est du broyé. Mais j'ai une amie qui est charcumancienne, si ça vous intéresse. Ça fait un peu peur quand même. Non, taisez-vous, c'est passionnant! Alors, qu'est-ce que je vous sers ce matin? On avait pensé à de la viande hachée. Oh là là! Viande hachée? J'en ai gâché. Non, on va plutôt prendre des oreilles de porc panées. Aïe. Des complètes. Faites voir vos mains. À plat sur le comptoir. Alors, c'est clair comme de l'eau de source. Il vous faut 2 morceaux dans le filet. Extraordinaire. Ben oui, mais ça coûte drôlement cher le filet. Ben on n'a qu'à en prendre qu'un. Vous mangerez des pâtes. Des pâtes? Oh, mais je ne suis pas pâtomancienne. Mais allez donc voir ma tante Germaine qui tient l'épicerie. Allez-y de ma part. Ah bon? Elle lit dans les pâtes? Les pâtes, les fruits, les légumes, les conserves. Non, les légumes. Oui. Bon, eh ben pour le steak dans le filet, on va réfléchir. Allez, au plaisir, Mme Trippé. Tenez-vous.